Le bac SCAV est un bac scientifique et technologique de l'agronomie et du vivant. Et on reçoit dans nos lycées des élèves issus de seconde générale, quelle que soit leur orientation de départ. Ils doivent être motivés par l'agriculture, les problématiques d'environnement, mais également d'alimentation et de santé. Comme son nom l'indique, le bac technologique et scientifique présente des enseignements généraux. Cet enseignement s'appuie également sur beaucoup de pratiques, notamment en physique et en biologie, des activités pluridisciplinaires où plusieurs enseignants de disciplines différentes travaillent ensemble pour confronter des idées et amener les élèves à réfléchir sur ce qui se passe actuellement dans le domaine agricole et les enjeux de société. Les domaines de production et d'aménagement pourront vous montrer comment, dans un territoire, on peut mettre en avant tous les domaines de compétences des élèves. Le domaine technologique production agricole est un enseignement qui appréhende les techniques et les pratiques de la production agricole. L'accent est mis sur l'agronomie, la science du végétal, où l'étude va porter sur le climat, le sol, le choix des espèces, le choix des variétés, etc. L'accent est mis également sur la zootechnie, la science de l'animal, où l'étude va s'intéresser aux productions animales domestiques. Et là, on va s'intéresser aux bâtiments, aux espèces, à l'environnement, etc. Alors, l'approche de l'agriculture se fait par les productions agricoles. Donc, ce sont des modules qui s'adressent à des jeunes passionnés par le règne animal, le règne végétal et par le monde agricole en général. Vous avez aussi les domaines techniques en lien avec l'aménagement. Donc il y en a quatre. Nous abordons à la fois les domaines dans l'aménagement paysager, les aménagements forestiers et enfin les aménagements donc en lien avec la ressource en eau. La formation s'appuie également sur 8 semaines de stage, dont 3 semaines collectives réalisées sur un territoire avec une activité précise et 5 semaines de stage individuels qui s'appuient sur l'un ou l'autre des domaines de production ou d'aménagement que nous avons sur l'établissement. Nous avons fait par exemple un stage territoire où nous sommes allés à la rencontre de professionnels, où nous avons fait de l'entretien de propriété, de l'entretien de rivière. Ça nous apporte de l'expérience pour notre futur métier, ça nous permet d'acquérir une culture sur l'aménagement et la valorisation des espaces naturels. Dans le cadre de ma filière, j'ai réalisé un stage en élevage équin. J'ai pu être en immersion dans le milieu professionnel, apprendre beaucoup sur le métier. C'est ce qui est vraiment intéressant avec le lycée du Chénois, c'est qu'il nous propose une vraie immersion dans le milieu professionnel. On a la chance d'avoir un cadre extrascolaire très riche. On a beaucoup d'options, notamment sportives. Un centre équestre avec de l'équitation. On a également un terrain de rugby, un gymnase avec une AS, une association sportive. On est ici dans un foyer pour les élèves, pour les activités hors des cours, avec différents clubs, comme par exemple le club sono, le club animation pour les soirées. On a ici un club bar, un club photo et art. On travaille tous, on a des heures de travail, mais on a aussi la possibilité d'avoir beaucoup de divertissement hors du travail, qui permet d'avoir une bonne ambiance au sein du lycée. Les élèves issus de la formation Bac STAV, Bac en poche, peuvent choisir d'aller sur des formations courtes, type BTS. Quel que soit le domaine qu'ils aient choisi, ils peuvent aller sur tous les BTS agricoles, ou un IUT, ou des filières longues, de type classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs, que ce soit agronomique ou vétérinaire.